Et oui. Surtout que là, les vaches, les cochons, ils doivent rapporter Ah, genre on a des nouveaux slimes. Oh. Ah oui, c'est vrai que je suis pas. Moi, je les ai pas ces messages. Le jeu, il m'a un peu. Je crois qu'il y a que l'autre. Qui s'occupe des slimes d'ailleurs? Personne. Attendez, ouais, il est où mon. Dès qu'il a dû les buter. Oh, mon y travail. Y a pas ça. Un truc à faire, genre ne pas les buter, mais les élever. Il y a des croisements à faire et tout là. Si, si. Ah, il y a des croisements à faire, tu peux avoir différentes couleurs, tu les vends plus cher. L'argent il meurt. Il va avoir du mal à surproduire. L'iridium il meurt. Non, fallait vraiment pas les tuer. Oh, j'ai pas de lapin. Non, fallait vraiment pas les tuer, oui. Ah, bah c'est trop tard, j'ai l'impression. Une patte de lapin. Le problème, c'est qu'il fallait les tuer pour récupérer tes œufs et pouvoir réincuber et ainsi de suite. Non. Parce ah oui, t'as clean clean en fait, y a plus rien. Où est-ce que tu te fais de l'argent sinon? Ils sont morts comme des moins que rien. Ils sont morts. Ils sont passés de l'autre côté. Hein. Non mais sérieusement, vous les avez tous tués? Alors tu dis pas vous dis non, s'il te plaît. J'ai donné un coup d'épée, y'a tout le monde qui a fait spooch. Il a fait spooch. Il a fait spooch. Il a fait spooch. Alors. On va regarder à nouveau comment ça va. D'accord. Vas-y. Ah, il n'y avait pas de homard. Je veux des fruits anciens. Des fruits. Le bon jus d'orange. Ça t'a donné des œufs, Imra? Comment? Est-ce que ça t'a donné des œufs? Ah non, j'ai rien eu. Hein. C'est... Rien eu. Juste le plaisir de tuer, hein. Littéralement. La source de sang est apaisée. Okay. Je jette un œil à ce qui se cache dans les égouts. C'est horrible de jeter un œil. Est-ce que c'est un œil des slimes qu'il a tué juste avant? Attention, j'ai peur. Hein. Ah, c'est là. Tu vas dans le tunnel de. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est hyper grand! Ouais, moi je pensais pas que c'était aussi grand, mais je suis en train de tuer, il y a des méchants dedans. Hein. Ah, mais t'es déjà dedans! Ouais, même qu'il y a des méchants dans la zone. Ça fait peur. Arrêtez de spoiler, moi j'y suis pas encore allé. Pardon? Mais attends, ça veut dire qu'on peut pêcher? On peut pêcher? Bah, oui, si tu dois pouvoir pêcher. Du coup, il y a peut-être des saumons du vide. Ça serait incroyable. Et il y a un coffre en haut. Attends, je pêche un poisson, j'arrive. En un instant, dans la ferme, Nino et Yakipon en train de faire des trucs. Ah non, j'ai pêché une carpe. Je récupère de la soupe aux algues, excusez-moi. What, super. Ça se vend? Je pense que ça se mange. Alors, est-ce oui, Nino. Les slimes lâchent occasionnellement des œufs. Ces œufs peuvent être utilisés dans le clapier afin de les faire éclore. Donc il fallait les garder en vie, en effet. Il y a pour l'instant 4 types d'œufs de slime pouvant éclore. 4 couleurs, vert, bleu, rouge et violet. Ces œufs peuvent être créés à l'aide de 100 slimes dans une presse à œufs de slime. Donc on peut faire des œufs avec une presse. Les 4 couleurs d'œufs sont obtenables de cette manière, mais les œufs verts sont plus fréquents. Parfois, un slime femelle peut s'accoupler avec un slime mâle. Si les deux slimes montrent un cœur, il crée alors un bébé slime. L'un peut montrer un cœur et l'autre un point d'exclamation, ce qui signifie que ce dernier a refusé les avances du premier. Alors, couleur résultant d'un accouplement. Je choisis une donnée au hasard d'un tableau suivant. Chacune des données rouge, vert, bleu du slime est calculée indépendamment des autres couleurs, qui ont des valeurs de génétique dans le jeu. Plus, oui. Donc t'as 25% d'avoir... Attends, quoi? Nani. 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 Quoi? Où est mon deuxième arrosoir? Aïe. Comment ça se lit ce truc de merde? C'est pas très difficile, ça doit être sûrement un tableau à deux entrées. Oh mon dieu, c'est un nouveau poisson. T'as 25% donné de parents mâles, 25% donné de parents femelles, 50% maximum de données par parents mâles ou données par parents femelles, 50% moyenne de données par. Bah bravo Nino, super, maintenant à cause de toi j'ai mal à la tête. J'ai l'impression d'être bisous Mimi sur le chat, merci beaucoup.
au secours. Alors, je fais une parenthèse. Dans le truc des égouts, une fois que vous êtes passé au-dessus du train à parler aux magiciens, aux sorciers, pensez à aller aux égouts parce qu'en fait, on a récupéré le talisman noir. Il y a juste à monter un petit peu, aller au coffre, ouvrir et repartir. Voilà, tout simplement. Bon, bah, je vais y aller vu que j'ai plus beaucoup d'énergie, je peux pas avancer dans la. En plus, on a tué, y a plus personne sur la route. Ils étaient durs, les monstres ? Non. Non, ça va. Ça va alors. Ces petits insectes. Mais pas ta patte de lapin, hein ? Oui, c'est vrai, je l'ai complètement oublié, le dégoût en moi. Hein ? Elle est où, la patte des lapins ? Elle est rangée avec les affaires des lapins. Avec les affaires des. Ok. Je vais de suite la chercher. Je dis bonjour aux animaux. Je dis bonjour à Abidji d'abord. Salut Abidji. C'est le nouveau surnom d'Abigail, parce que je l'aime bien. Ah non, c'est pas lui. Mais tu lui as pas dit bonjour aux animaux ? Retourner à la gare. Hein. Non, au sorcier dans sa tour. Parce que si tu leur as déjà dit bonjour, je peux pas le faire moi. Oui, je viens de leur dire bonjour. Bah donc je leur dis juste salut mais je passe. Tu leur dis bonjour. Des animaux, ouais, trop bien, ciao. Aucun respect. Mais les lapins, ils sont dans le petit. Ah oui. Mais j'aime trop le canard, c'est mon pote. Canard, c'est mon pote. Bah ouais, c'est mon pote le canard. Ah merde, c'est pas là, c'est où? Ah, c'est merci. Plus haut. Est-ce que des fois le canard il se confie à toi? Oui. Il dit qu'il déteste cette ferme, qu'on devrait tout raser. Il est un peu bizarre, mais je l'aime bien. Ah ouais, vraiment, il est sans foi ni loi quoi. Incroyable, hein. C'est un canard liké. Oh là et là. Un canard qui est inspecteur, c'est un canard magret. Vous me fatiguez, mais d'une force. Oh la vache. Mais attendez, c'est pas là qu'il faut l'aller. Bah non, on a dit c'est un lapin, c'est pas une vache. Non, mais... mais j'ai... Imra, l'item, mais je l'ai pas dans mes trucs. Bim, bada, bim, bada... Tu l'as dans ton inventaire ? Dans ton inventaire, mais... Non, c'est on le chope pas dans l'inventaire, c'est un item de quête. Ah, alors dans ce cas, pour revenir au train. Est-ce que je revends tout ou pas ? Comment ça, tout ? Recettes, bah j'ai plein de lait, plein d'œufs, plein de tout. Plein de fat à point. Disons comme ça, allez, vends 80%. Ouais, faut juste garder un petit stock au cas où on a besoin quoi. En plus. Ouais, à peu près. À la louche. Comme Gilles le louche. Est-ce qu'on a accès au shop du magicien ? Il a un shop le magicien ? Oui, sûrement. Quand tu vas le voir, il te fait salut. Après, moi, le magicien, c'est mon ultra pote. Hein. Donc, je pense que je peux aller lui dire salut, donne-moi ça, il va me faire ouais, ok. Trop sympa. Genre, si on aurait pu se marier avec le sorcier, je l'aurais pris. Ah, on peut pas ? On peut. Non, on peut pas. C'est un truc. Chose bidule chouette. J'ai pas su faire la phrase, donc vous. On a tout compris. Ok, merci. Oui, tout compris, oui. Pourtant, vous êtes pas chez Free, le souvenir ? Non. Attendez, je peux mettre des fromages dans les presses à fromage ? Pourquoi il veut pas, là ? Ah, ouais, il y a un chemin, là, maintenant. Ah, il y a une mouche ! Ah, Oh, lapin qui vient de courir, incroyable. Je suis entouré par les mouches. Ça me fait penser qu'il faut que je demande à Robin de construire un truc ici. Aussi. Oh ! Je veux ce truc. Je le veux en familier. J'aimerais. D'accord, je souhaiterais l'avoir en familier. Quand on est poli. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, je commence à le vendre. Une nouvelle grotte ? La maison grotte. Salut Imra ! Ça va ? Hello. Le voyage s'est bien passé ? Wow ! Salut toi, mercenaire. Humain ! Je vais passer, désolé, c'est une propriété privée. Mais qu'est-ce qui se passe dans le jeu, là ? Une propriété privée, mais allô ? Il faudra peut-être lui faire des cadeaux, et à un moment donné, il va faire bon, d'accord. Je lui ai donné une orange, il a pas voulu. C'est passé, je perdrai mon travail. Il en veut pas ! Il en veut pas !
Elle est moche ton orange, t'as dit. Attends. Je vais tenter un truc qui va me faire mal, mais. Tu vas le taper ? Non, je lui ai donné un poisson rare, il a pas voulu. Ça je sais pas. Je tente. Non, attends. Pourquoi tu croise le fer avec lui. Dis-lui ta façon de penser. J'ai un de mes viewers qui veut devenir un slime. Ah. Alors, on va lui donner un conseil. Ne croise pas la roue d'Imra. Oui, mais... Après, ça va faire ce blotch. Ouais, c'est vrai que quand t'es pas vivant... Lui donner de la mayonnaise du vide, hein. Non, sérieux ? Yes. Là, il y a des œufs du vide, donc on peut faire de la mayonnaise du vide. J'ai un œuf du vide, là. Eh bien, 4 mayonnaises du vide. Non, j'en ai qu'un. Je peux en faire qu'un. Puis les œufs du vide, justement, c'est eux qui donnent des dinosaures, je crois. En récompense, on aura des maisons de sorciers disponibles. Moi, j'aime trop le sorcier. Et un truc disponible de la hutte du sorcier. Ah, encore une cinématique, mais ça n'arrête pas. J'avoue, c'est quoi ce bordel? C'est dingue, hein. Alors, t'as un produit animalier obtenu depuis un poulet vide. Je crois pas qu'on ait de poulet vide. Vous pouvez le faire éclore en un poulet vide en le plaçant dans un incubateur dans un poulailler de luxe. Oh, d'alax. Les poulets vides produisent un œuf chaque jour s'ils sont nourris préalablement comme pour les autres poules. Et ben voilà, et après on peut faire de la mayonnaise du vide. Donc on va faire éclore l'œuf. Let's go. Alors, dans un incubateur dans le poulailler, ça sonne. J'attends, vous êtes en train de me dire que tous les œufs là que... Alors. Pendant ce temps, je crois qu'il va se passer quelque chose dans la tente avec le SDF. Hein. Ah ouais, moi j'ai rien comme cinématique là, je suis passé, il y avait un. Je les ai déjà faites, celle du SDF, parce que c'est trop mes potes. En fait, tout le village, c'est mes potes. Pire humeur. Hein. Bon bah, on a plus d'œufs du vide, les gars. Mais pourquoi? Non, tu l'as jeté par terre. Tu l'as mangé. Oh non. Elle a mangé l'œuf du vide. Eh ben, je t'en tant... pleurais. Imra. Oui. Imra, est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que tu m'entends? Il y a des œufs du vide qui peuvent être vendus dans les égouts par Gropius. Oui, je sais, j'allais le faire. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. On peut se rabattre sur ça. Après... Oui. Et bonsoir, Nino. Oui. Ah, ça fait longtemps. Bonsoir. Après, on n'est pas entouré par les plus intérieurs. On laisse Sam en dehors de ça. Je t'ai entendu. C'est pas possible parce que je faisais de la ASMR. Ouais, bien sûr. Et là, je vais frotter mon micro, vous allez avoir des sensations fortes. Au final, j'ai eu peur, c'est que le micro. Oui, c'est le micro, ça va la tête. Ok, je dors sur Sam, mais quand même. Mais... Je me suis dit, est-ce qu'il avait une utilité d'oreiller? Oh. Et il est pas super confortable. C'est pas vrai. Et bah vous savez quoi? Depuis que je suis rentré chez moi, j'ai retrouvé une maison propre, sereine et sans Sam. Ah bah écoute, je suis ravi pour toi. Ah, t'as réussi à mettre du... Un pchit anti-Sam là, c'est ça? Exactement. Moi, Sam il vient jamais chez moi. Tu devrais essayer, Yaki. T'en as mis autour des fenêtres, autour de la porte et il rentre pas, c'est ça? Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Tu devrais essayer. Les fourmis, hein. C'est super drôle. En attendant, on est quand même 4 dans mon lit. Hein. Ouais, mais je suis sûr, Sam. Ah, l'argent, les multiplicateurs. L'agriculture, plus fort. Et oui, ça rapporte, c'est bien. Ah, la grosse quantité de lait extrême, là. 11 000 PO de lait. Tu vois? Allez. Ça aurait fait un sacré fromage. Putain, t'imagines.